On est sur les images de la célébration qui vont se dérouler dans quelques instants. Vous restez avec nous, bien évidemment, jusqu'au bout de la nuit, s'il le faut. On sera ensemble avec Ludo Juli et M. Rio Mavuba. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette victoire, non? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Elle a gagné au Parc des Princes contre le champion. C'est très difficile. On savait qu'il fallait faire un gros match, qu'il fallait être solidaire et qu'il fallait être calme avec le ballon. Et utiliser nos chances, c'est ce qu'on a fait. On était avec le coach à l'instant qui nous disait voilà, je veux vraiment terminer sur une bonne note, comme on l'avait fait la saison passée avec Monaco, pour que les supporters puissent se dire, ça y est, on est reparti là-dessus, on va travailler cet été, on relance la mission. C'était ça la mission qui l'incombait aux joueurs aujourd'hui? C'était de lancer les derniers bons messages aux supporters? Ouais, bien sûr, on veut bien terminer la saison par des belles performances, en allant chercher des victoires pour faire plaisir à nos supporters et pour nous aussi, pour gagner des jolis matchs comme ça contre un magnifique adversaire. Donc voilà, c'était tout ça. On était très motivés et puis on l'a montré sur le terrain. Qu'est-ce qui a manqué finalement cette année? Parce qu'il y a eu de très bonnes choses, il y a eu de très bonnes phases de jeu montrées par le TEF. Et puis il y a des fois eu un peu de manque de maturité pour faire que les moments faibles, on puisse tenir. Est-ce que ce regard que j'ai à distance, est-ce que c'est ça qui est à l'intérieur? Non, c'est tout à fait ça. Je pense qu'on est l'équipe la plus jeune des 5 championnats. Donc ça fait que, bien sûr, il y a un manque d'expérience, des fois un peu un manque de maturité. Mais je pense que si on voit l'évolution de l'équipe, elle est depuis entre la première journée et maintenant, on a vraiment beaucoup grandi, on a évolué en tant qu'équipe. Donc ça, c'est vraiment très positif. Je pense qu'on a tous grandi, on est tous devenus meilleurs. Et voilà, on veut encore progresser, on veut bien terminer la saison. Ensuite, on veut bien rattaquer la prochaine et grandir encore et encore. À titre perso, tu as grandi, tu as appris. Qu'est-ce que tu as appris de cette saison? Non, beaucoup de choses. Voilà, pour moi, c'était aussi un nouveau rôle de capitaine. Au début, c'était pas toujours facile. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. On se trouvait pas forcément au début. Il fallait les automatismes. Et au fil de la saison, j'ai pris plus de confiance, plus de plaisir. Tu t'es senti bien, ouais, dans ce rôle? Oui, bien sûr. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, prendre des responsabilités. Et voilà, là, je m'éclate sur le terrain. On se trouve bien. On prend du plaisir à jouer ensemble. Et je pense que c'est le plus important. T'as perdu la voix aussi, toi, non? Ouais, un petit peu. À la fin, ce que vous avez vu avec tous les Lascars là sur les images, c'était bon. Hein. À la fin, et puis sur le terrain, il faut parler. Il y avait du bruit. Belle ambiance, en tout cas, merci infiniment pour ce football proposé, cette énergie et puis ce sens humain à chaque fois qui est déployé. Gentil, vraiment merci, infiniment. Merci, bon retour, bonne dernière et bonne prépa après. C'est gentil, merci. À très vite.